Your immediate work. In the mighty name of Jesus. Can you sharpen my... Hallelujah. Hallelujah. Let us pray right away. Pray your immediate work. Father, in the mighty name of Jesus. Père, dans le puissant nom de Jésus. Take authority here. Prends autorité ici. And help these people. Et aide ce peuple. And bless these people. Et bénis ce peuple. Lord, touch their hearts. Seigneur, touche leur cœur. That in this last session, que cette session de la fin, they may prepare the way. Qu'ils puissent préparer le chemin. For the glorious coming of the Lord. Pour la venue glorieuse du Seigneur. That these people may choose holiness. Que ce peuple puisse choisir la sanctification. And the fear of God. Et la crainte de Dieu. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. There is a recent song. Can you be seated in the presence of the Lord? Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Can the people behind come and fill these front seats, please? Est-ce if you have a seat that is empty in front of you, come in front. Now you need to. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. That is all right now. Let it not make any noise now. Hallelujah. Very good. C'est très bien maintenant. Please, if you have a seat in front of you, sit in front. S'il y a une chaise vide en face de toi, avance sur le chaise de devant. If there's an empty seat, move forward. S'il y a une chaise vide en face de toi, avance, occupe la chaise qui est vide devant toi. So that those coming late will sit at the back. Comme ça, ceux qui viennent à l'intérieur peuvent s'asseoir derrière. Alléluia. Alléluia. That should take 1 minute. Ça doit prendre 1 minute seulement. Even if somebody reserved, they can sit at the back, right? Si même quelqu'un a réservé, il peut s'asseoir derrière. Hallelujah. 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 Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Thank you. Merci. What a blessing again. Quelle bénédiction encore. To come before you in the mighty name of Jesus. De venir devant vous dans le puissant nom de Jésus. To talk about the coming of the Messiah. De parler sur la venue du Messie. Is there somebody sitting here? Est-ce que quelqu'un est assis là-bas? There's nobody. Il n'y a personne. Okay. Somebody there. Can you handle this for me, please? You are supposed to be serving here, right? Can you handle and bring somebody there, please? So I don't do this. There's another seat here. Il y a une autre chaise devant. Remplissez les chaises en avant pour que l'homme de Dieu ne fasse pas ce travail. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Merci. Now there's another seat here, right? Il y a une autre chaise ici. Okay, thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Merci. So Michael always adjusts the systems earlier. You use your voice, sharpen the voice, shout at it until it is right. Because of time, we need to leave now. The Lord was showing me this young man in the dream. Le Seigneur m'a montré ce jeune homme dans le rêve. Before I came from Kenya. Avant que j'arrive du Kenya. About the PA system and all this. Yeah. Au sujet du système de son ici. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Don't kill my voice. Thank you. That should be all right now. Thank you. Merci, c'est bon maintenant. Now, yesterday we saw hier nous avons vu that the Lord is currently speaking to the church. Le Seigneur est en train de parler en ce moment à l'église. In a very tremendous way. De manière très puissante. And in that conversation. Et dans cette conversation. The Lord is instructing the church. Le Seigneur est en train d'instruire l'église. And in instructing the church, he's raising righteousness. Il est en train d'élever la justice. And holiness. Et la sainteté. He's raising righteousness and holiness. Il élève la justice et la sanctification. In the church now. Dans l'église maintenant.
And he's asking that the pastors begin to readjust their messages. Il demande que les pasteurs commencent à réajuster leurs messages. So that now you may be able to center, broaden it, go and broaden it a little bit, just broaden, not sharpen, broaden it this a little bit. So that you may now focus every scripture, broaden a little bit, just a little bit for, thank you so much, that's all right. Hallelujah. Hallelujah. So that now you may focus more, pour que vous puissiez focaliser plus, on righteousness, sur la justice, and the preparing of the church. I think, I don't understand, because I'm going to lose my voice on et this. Et la préparation du Seigneur. Yeah, so, were you in touch with Michael? Yeah. Okay, go and talk to him. Thank you very much. So, I don't want to lose my voice. So listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. He is asking that every scripture at this hour, il demande que chaque écriture de cette heure, every preaching at this hour, chaque prédication de cette heure, be centered around righteousness. Soit centralisé autour de la justice. And in the 2 days, what you have seen, et dans 2 jours, ce que vous avez vu, is that actually righteousness, en fait, la justice, hein, is what gives the church eternity. C'est ça qui donne à l'église l'éternité. Otherwise, the church is perishable. Sinon, l'église est périssable. Otherwise, the church has no future. Sinon, l'église n'a pas de futur. Her value will be earthly here. Sa valeur sera terrestre ici. If the church does not embrace righteousness, si l'église n'embrasse pas la justice, in other words, en d'autres mots, in other words, that's all right now, in other words, en d'autres mots, righteousness is eternity. La justice, c'est l'éternité. Without righteousness, there is no eternity. Sans la justice, il n'y aura pas d'éternité. That's what the Lord is saying. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. He's saying that the value, the shelf life, you're really going to kill my voice. He's saying that the shelf life of the church is only increased by righteousness. Can you increase? Just sharpen me. I don't know whatever you need to do. So I don't kill my voice, okay? Hallelujah. Michael, you do this in every country, hallelujah, right? And we're live here. Hallelujah. 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 I need to take off. Je dois décoller. Hallelujah. Can you sharpen me? Because I'm going to kill my voice. Je risque de perdre ma voix. Hallelujah. Hallelujah. The Lord was talking to me about the 2 young men. Le Seigneur me parlait de ces 2 jeunes gens. Before I let the Creator of heaven, le Créateur des cieux, the Creator of all men, le Créateur de tous les hommes, was talking to me about you before I left Kenya. Me parlait de vous deux avant que je quitte le Kenya. Regarding the PA system, concernant les systèmes de son. Hallelujah. 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 Can you sharpen me so I don't kill my voice, please? Hallelujah. 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 Thank you. Thank you. Hallelujah. 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 Now, is it better now? You leave it there now? C'est bien maintenant. Hallelujah. Try to leave it there now. Laisse maintenant. So now, alors, the Lord is saying, le Seigneur dit, that without righteousness, que sans la justice, the church cannot enter eternity. L'église ne peut pas entrer à l'éternité. Righteousness. La justice. And he's saying, et puis dit, that every scripture at this hour, que chaque écriture à cette heure, when you read it, quand vous la lisez, you should be able to see righteousness. Vous devez être capable de voir la justice. Every message the pastor preaches at this hour, chaque prédication que le pasteur prêche à cette heure, must gravitate around righteousness. Doit graviter autour de la justice. That is the message the Lord is giving the church now. Ça, c'est le message que le Seigneur donne à l'église maintenant. He's saying, en disant, that if you don't preach righteousness now, car si vous ne prêchez pas la justice maintenant, then the church will not enter. Alors l'église n'entrera pas. And you know, in the calling of the pastor, alors vous savez, dans l'appel du pasteur, the calling of the priesthood, l'appel du sacerdoce, you have been called to raise forth a people unto the Lord. Vous êtes appelé à élever un peuple pour le Seigneur. So the real calling, et le vrai appel, is to raise forth the church, et c'est de lever l'église, that the church may reach the stature of Christ, afin que l'église atteigne la stature de Christ. The church may reach
the full height of the Messiah. Que l'église puisse atteindre la hauteur même du Messie. And that stature is spiritual. Et cette stature est spirituelle. It is not a physical stature. C'est pas une stature physique. Hallelujah. Hallelujah. That stature is holiness. Cette stature est la sanctification. Without holiness, you cannot achieve that stature. Sans la sanctification, tu peux pas atteindre la stature. So this is the conversation that's going on now. Ça c'est la conversation qui est en train d'avoir lieu maintenant. That in everything you do and preach now. Dans tout ce que vous faites et prêchez maintenant. Righteousness has to be at the center. La justice doit être le centre. In other words, he's saying. À d'autres mots, il dit. That the reason the church in Europe has apostasy. La raison pour laquelle l'église est dans l'apostasie. Are you getting your feedback properly? No, I'm fine. No, you're fine. Thank you. That's my voice. With your voice, okay. So the reason there is apostasy in the church in Europe. Il y a l'apostasie dans l'église en Europe. Is because righteousness has not been centered. Parce que la justice n'était pas centralisée. In the hearts of the believers. Dans le cœur des croyants. And yesterday I began to talk to you. Hier, j'ai commencé à parler avec vous about why the Lord visits. Pourquoi le Seigneur a visité. And you understood yesterday. Et vous avez compris hier that we live in strange times. Nous vivons dans un temps étrange. We live in unique prophetic times. Nous vivons dans un temps unique prophétique. We live in strange hour. Nous vivons une heure étrange. When now there is the latter visitation of the Lord in the house. Maintenant, il y a la dernière heure du Seigneur dans la maison. The tremendous visitation that was promised to the Bible. La visitation extraordinaire qui était promise dans la Bible. The latter glory. La dernière gloire. Is now here. Et est maintenant ici. And there is a purpose for that visitation. Il y a un but pour cette visitation. There is a reason for that visitation. Il y a une raison pour cette visitation. And that's what I was engaging you on yesterday. The purpose. C'est cela que je vous ai engagé hier. C'était ça l'objectif. The objective, very good. The objective of the visitation. L'objectif de la visitation. And so I want to advance this a little further. Alors je vais avancer ça un peu plus loin. In terms of the objectives of the Lord's visitation. Dans les termes des objectifs de la visitation du Seigneur. Now we saw. Maintenant nous avons vu. That when the Lord comes. Quand le Seigneur vient. He comes to wage battle. Il vient pour gagner la bataille. He comes to wage battle, to do a battle. Il vient pour faire la bataille. He comes to fight. Il vient pour combattre. To fight apostasy. Pour combattre l'apostasie. He comes to fight. Il vient combattre. To fight decay. De faire la pourriture. So the Lord Jehovah. L'Éternel Jéhovah. When he visits the church. Quand il visite l'église. He comes to purify the church. Il vient pour purifier l'église. Until yesterday, that is what we saw. Jusqu'à hier, c'est ce que nous avons vu. That is what we looked at yesterday. C'est ce que nous avons vu hier. Until yesterday. Jusqu'à hier. And now I want to move it a little further. Maintenant, je vais aller plus loin. Because you saw. Parce que vous avez vu. That when he visits Egypt. Quand il a visité l'Égypte. According to Isaiah 19 verse 1, then we see that now the idol gods of Egypt cannot survive the presence of the Lord. Nous avons vu que les idoles de l'Égypte ne pouvaient pas survivre la présence du Seigneur. And the Lord said, et le Seigneur a dit, now he's visiting the nations. Maintenant il visite les nations. And as he visits the nations, et quand il visite les nations, he's bringing forth a tremendous purification in the worship. Il amène une grande purification dans l'adoration. And what does it mean? Et qu'est-ce que cela veut dire? When all the other idols crumble. Quand tous les autres idoles tremblent. Because we saw. Parce que nous avons vu. That in Ashdod. Que à Ashdod. When Dagon stood right next to Jehovah. Quand Dagon s'est mis juste à côté de Jehovah. We saw that Dagon went down. Nous avons dit Dagon est tombé. And we saw also. Et nous avons vu aussi. That in Egypt, the Egyptian idol gods, les dieux idoles des Égyptiens, could not survive the presence of the Lord. Ne pouvaient pas tenir devant la présence de Dieu. They had to collapse. Ils sont écroulés. What is the message to the Church of Christ in Europe? Quel est le message pour l'Église de Christ en Europe? Thank you. Can you help people settle down quickly without noise? Aider les gens à s'asseoir rapidement sans bruit. Thank you very much. Merci beaucoup.
Susan, make sure people settle down in 1 second so that I can continue, because tomorrow I'm leaving this place. This is the only chance for this place. Hallelujah. Hallelujah. I shall sit down with your notebooks. Le protocole, asseyez-vous avec vos notes. And make sure you enter the kingdom of God, ushers. Et soyez sûr, protocole, que vous rentrez dans le royaume de Dieu. Amen. Thank you. Merci. Okay, now. Maintenant. He says. Il dit. That the idol gods cannot survive in the presence of the Lord. Les dieux idoles ne peuvent pas survivre dans la présence de l'Éternel. But what does that mean to the church then? Mais qu'est-ce que ça veut dire à l'église? Because there is now the visitation in the house. Parce qu'il y avait là la visitation dans la maison. And so, alors, as we begin tonight, comme nous commençons aujourd'hui, this night, tonight, ce soir, as we begin tonight, comme nous allons commencer ce soir, this night the Lord wants to submit to you. Ce soir, le Seigneur peut vous soumettre. That in like manner, in the same way, de la même manière, same glory, la même gloire, la même gloire, same God, le même Dieu, same purpose, le même but. He comes that now when he stands, you can even see the way he stood. Il vient pour que maintenant quand il est maintenant debout, vous pouvez voir comment il est debout. You can even see the way he's standing. Vous pouvez voir comment il est debout maintenant. You can see the confrontational standing. Vous voyez la position de confrontation. You can see the way Jehovah is standing. Vous pouvez voir comment l'Éternel Jehovah est debout. You can tell he has come to confront for confrontation. Vous pouvez dire qu'il est venu pour la confrontation. You can tell right away. Vous pouvez dire immédiatement that this is confrontation. Que ça c'est la confrontation. And in this confrontation, et dans cette confrontation, he is saying, il dit, you can almost see, vous pouvez voir, that he is saying, il est en train de dire, when I am standing, quand je me tiens debout, who can remain standing? Qui peut rester debout? Who can remain standing? Qui peut rester debout? When I stand, quand je me tiens debout, who can remain standing? Qui peut rester encore debout? And that's why, c'est pourquoi, at this hour, à cette heure-ci, he's saying, il est en train de dire, that when Jehovah is standing, quand l'Éternel est debout, all the other gods must go down. Tous les autres dieux doivent aller par terre. And look at this now. Regarde ceci maintenant. He's also saying, il est en train de dire, hallelujah, hallelujah. Thank you very much. Thank you so much. Merci beaucoup. It's just Michael. It's Michael that failed to do things here. C'est Michael. I saw in a dream. Actually, I saw that in a dream about a month ago. More than a month ago, yes. Then the Lord complained and grieved very bitterly in the dream. But that's all right. Now listen to this now. So when he is standing, quand il est debout, and the Egyptians go, Egyptian gods have to go down. Et les dieux égyptiens doivent s'écrouler. And the idol gods have to go down. Et les dieux idoles doivent être par terre. That represents the following. Ça représente ce qui suit. That means, ça veut dire, when the glory stands, quand la gloire se met debout, then the truth is standing. Alors la vérité est debout aussi. And when the truth stands, et quand la vérité est debout, then falsehood has to go down. Alors la fausseté doit tomber par terre. Did you understand? Vous avez compris? There's so much information here. Il y a beaucoup d'informations ici. When the truth stands, quand la vérité est debout, falsehood, la fausseté that you see in Europe now, que vous voyez en Europe maintenant, must come down. Doit être par terre. Hallelujah. 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 Listen to this. Écoutez ceci. In other words, en d'autres mots, he's saying, if he, when righteousness stands, quand la justice est debout, wickedness, la méchanceté, must tomber, doit tomber. Righteousness, la justice. He say, he did, in Europe, and Europe, when the mighty prophet of the Lord stands, prophet, here, is he in Europe, and Europe,
around with you. Oh yes. Somebody has to enter eternity. And there comes a time when a people, a nation, a nation has to draw the line on the sand sur le sable and say, et dit, enough is enough. Assez, c'est assez. Did you understand? Vous avez compris? Oh yes. Oh oui. He said, il dit, that when Jehovah stands, c'est quand Jehovah est debout. Jehovah standing est debout. Then, alors, the gospel of the cross is standing. L'évangile de la croix est aussi debout. And hey, when the gospel of the cross, quand l'évangile de la croix stands, est debout. Europe
will be known. Le robe sera connu. For revival. Oh, I'm cutting my voice. For revival. Pour le réveil. Amen. You are the revival. Vous êtes pour le réveil. Oh yes, oui. You are the revival. Vous êtes le réveil. You are the revival. Vous êtes le réveil. Hallelujah. Hallelujah. Can you leave it there a bit? Oh, this is a big mess. The Lord spoke in a dream and he grieved. Yes, my Lord. The Lord grieved in the dream. Yes. 2 months ago, I think. Yes, my Lord. Yes, and I saw these two young men. Yes, je vis ces deux hommes. And him. Et lui. The Lord grieved. Le Seigneur a pleuré. The Lord almost cried. Le Seigneur a presque pleuré. He said, "Look, my servant is about to give the message." Regarde, mon serviteur est sur le point de donner le message. And they want to shut his voice. Ils veulent casser sa voix. Hallelujah. Hallelujah. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The Lord is saying. Le Seigneur dit. That restoration is here. Que la restauration est ici. And this is the hour. The restoration in the church. Ça c'est l'heure de la restauration dans l'église. Hallelujah. Hallelujah. This is the hour. Ça c'est l'heure. When the pastor in Europe. Quand le pasteur en Europe. The church in Europe. L'église en Europe. Must decide. Doit décider. Which way you want to go. Quel chemin vous voulez aller. Nations are being visited. Les nations sont en train de visiter. The devil never created anybody. Le diable n'a jamais créé quelqu'un. No. No. Only the Lord. C'est pas le Seigneur. And if you are people unto the Lord. Si vous êtes le peuple du Seigneur. Then let us prepare for visitation. Alors, préparons-nous pour la visitation. It is raining now. Il est en train de pleuvoir maintenant. The latter rain is falling. La dernière pluie est en train de tomber. How can you be in drought? Comment pouvez-vous être dans la sécheresse? At this hour. À cette heure-ci. When it is raining. Quand il est en train de pleuvoir. And the messenger of the rain is here. Et le messager de la pluie. Let us read. Lisons. Exodus chapter 3. Exode chapitre 3. Let us begin from there. Commençons par là. Because when I went to Kenya, parce que quand je suis allé au Kenya, and gave this message, et donné ce message, they wanted to kill me. Ils ont voulu me tuer. You see them sitting here now, but they wanted to kill me. Vous les voyez assis maintenant, mais ils voulaient me tuer l'autre fois. Hallelujah. 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 Very powerful. Thank Hallelujah. You so much. Thank you. That's very good. Thank you. Now, Exodus chapter 3, verse 5, right? Exode chapitre 3, verset 5. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Merci. Exodus chapter 3 verse 5. Exode chapitre 3 verset 5. I can start from verse 1 if you want. Je peux commencer au verset 1 si vous voulez. Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law. Moïse faisait paître le troupeau de Jethro, son beau-père. The priest of Midian. Sacrificateur de Midian. And he led the flock to the far side of the desert. Il mena le troupeau derrière le désert. And came to Horeb. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Yeah, in Hebrew they say Horeb. He came to Horeb, the mountain of God. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb. There the angel of the Lord appeared to him. L'ange de l'Éternel lui est apparu. In flames of fire. Dans une flamme de feu. From within a burning bush. Au milieu d'un buisson. Moses saw that although the bush was on fire, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. It did not burn up.
Et le buisson ne se consumait point. So Moses thought, Moïse dit, I will go over and see this strange sight. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. I will go there and see this strange phenomenon, in other words. En d'autres mots, je vais voir pour voir ce phénomène bizarre. And he says here, et puis il dit ici, I will go over and see this strange sight. Je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Why the bush does not burn up? Et pourquoi les buissons ne se consument point? Now listen to this now. Écoutez ceci maintenant. Verse 4. Verset 4. When the Lord saw that he had gone over to look, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. God called to him from within the bush. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moses, Moses. Moïse, Moïse. Moses, Moses. Moïse, Moïse. Here I am. And Moses said, here I am. Et il répondit, me voici. Here I am. Me voici. Yeah, thank you so much. Yes, thank you. We are going to be able to handle. Yes. Michael, you need to do a better job next time. So let us move on. And Moses said, et Moïse dit, here I am. Me voici. Verse 5. Verset 5. That is the instructions. C'est là qu'est l'instruction. Do not come any closer. Dieu dit, n'approchez pas. God said, dit Dieu, take off your sandals. Ôte tes souliers de tes pieds. For the place where you are standing car, is now holy ground. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Alléluia. The glory comes. La gloire est venue. God the Father. Dieu le Père. The Godhead. Le Dieu le Père. He comes. Il est venu. He chooses. He chooses. Il a choisi. Il a choisi. He chooses where to visit. Il a choisi où visiter. I don't have time to read other scriptures, but if you look at the book of Genesis, chapter 2, verse 3, and so forth later, focus on me here. Focalisez sur moi, je n'ai pas d'autre temps de lire notre texte à Genèse 2. Focus here. Regardez ici. He creates 7 days. Il a créé 7 jours. Day 1, jour 1. Day 2, jour 2. Day 3, jour 3. Day 4, jour 4. Up to 7, jusqu'à 7. Then he chooses. Puis il a choisi. By his own wisdom. Par sa propre sagesse. By the counsel of Jehovah in heaven. The counsel. Par le conseil de Jehovah dans le ciel. Son conseil. He says the seventh day. Il a dit le septième jour. Will be a holy day. Sera un jour saint. He chose it by himself. Il a choisi lui-même. He could have said, il pouvait dire, this thing I began on day one. J'ai commencé avec le jour numéro 1. Let me make day one. Laisse-moi faire que le jour 1. Shabbat. Ce soit le Shabbat. He could have said, il pouvait dire, let me divide into half. Laisse-moi couper ça en deux. Day 1, 2, 3. Jour 1, 2, 3. Day 4, I rest a bit. Le jour 4, je me repose un peu. The 5, 6, 7.
then I continue. Le jour 5, 6, je continue. He chooses. Mais il a choisi. By his grace. Par sa grâce. And he says, et il dit, on this day I rest. À ce jour, je me reposerai. Nobody can contest. Personne ne peut contester. That is the same way. C'est la même chose. He chose. Il a choisi. Where to visit. Où visiter. Alléluia. Alléluia. Look at this now. Écoutez ceci maintenant. That place. Cette place. Moses could have been grazing there yesterday. Moïse pouvait être en train de peindre hier. Thank you. Can you sit down? Thank you. Thank you. Merci. Asseyez-vous. Asseyez. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. Thank you very much. Merci thank beaucoup. Thank you. Protocol. Protocol. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Listen. Écoutez. Everybody focus on me. Tout le monde regarde vers moi. Last week. La dernière semaine. Moses may have been grazing there. Moïse pouvait être là en train de perdre les brebis. Yesterday, yeah, man. Probably he was there. Probablement il était là aussi. You know, shepherds do what we call rotation. Vous voyez, les bergers font ce qu'on appelle la rotation. Meaning, ça veut dire. I feed the sheep here. Je paie les brebis ici. Next week I move them. La prochaine semaine je les déplace. That this grass may grow. Afin que la pelouse à cet endroit, l'herbe puisse pousser à cet endroit. So maybe he was there last week. Peut-être qu'il était là la semaine passée. Shepherding the sheep of Jethro. En train de perdre les moutons de Jethro. When the glory of the Lord descends here, mais quand la gloire du Seigneur descend là, but when God the Father, quand Dieu le Père, decide that I am coming down here, que je suis en train de descendre ici là. Everything has changed. Toute chose a changé. Now, maintenant, he says, il dit, Moses, Moses, Moïse, Moïse, don't come. N'approche pas d'ici. Don't come here now. N'approche pas d'ici maintenant. He says, don't. Il dit, ne le fais pas. Maybe you came here yesterday. Peut-être tu es venu ici hier. Don't come now. Et maintenant ne viens pas. Can't you see? Tu ne peux pas voir. That the visitation is here now. Que la visitation est ici maintenant. Amen. Focus, focus, focus. Focus on me. Regardez à l'homme. Can't you see? Est-ce que tu ne peux pas voir? The things have changed here now. Que les choses ont changé ici maintenant. Amen. Amen. And he said, et puis il dit, first, take off those sandals right away. Premièrement, enlève tes souliers immédiatement. Because where you are standing now, parce que là où tu te tiens debout maintenant, owing to the visitation, à cause de la visitation, has already been sanctified. A déjà été sanctifié. Amen. And consecrated. Et consacré. And declared. Et été déclaré. Holy ground. Terre sainte. Don't come. Ne viens pas. He said, don't come now. Il dit, n'approche pas ici maintenant. Can't you see? Est-ce que tu peux pas voir? Yeah, don't come now. Ne viens pas maintenant.
Remove sandals. Enlève tes souliers. Don't you see that the Father is now here? Ne vois-tu pas que le Père est maintenant ici? He is now here. Il est maintenant ici. And he says, et il dit, pack up those sandals. Enlève tes souliers de tes pieds. Because, parce que, there is a worship. Il y a une adoration. There is a worship. Il y a une adoration. That is now going to take place here. Qui doit maintenant commencer ici. Amen. And it will be a holy worship. Et ça sera une adoration sainte. There is a worship. Il y a une adoration. A worship revival. Une adoration de réveil. I have come to purify. Je suis venu pour purifier. You may have been walking here. Peut-être vous marchiez là. Yesterday. Hier. Walking here, marchez là hier, with your sandals, avec vos sandales, whistling, en train de siffler, with a sheep, en train de siffler, pocketing, en mettant la main dans la poche, doing what you want, faisant tout ce que tu voulais. But don't come, mais n'approche plus, don't come now, ne viens pas maintenant, don't, non, ne viens pas, because now, parce que maintenant, it has changed, ça a changé. The owner of the house is now here. Le propriétaire de la maison est maintenant ici. Don't, no, don't come. Ne, ne viens pas. And he says, il dit, let us take off sandals. Enlevons nos sandales. He says, il dit, remove those sandals now. Enlevez ces sandales maintenant. Because there is a worship. Parce qu'il y a une adoration. That must happen. Qui doit arriver. The Father must be worshipped. Le Père doit être adoré. Amen. In the spirit and in the truth. En vérité et en esprit. And then. Et alors. Please follow me because I have so much to give you. Suivez-moi parce que j'ai beaucoup de choses à vous donner. I am under a lot of pressure right now. Je suis sous une grande pression maintenant. Because I want to give you everything that Kenya has. Parce que je vais vous donner tout ce que le Kenya a reçu. That you also may move now. Que vous soyez aussi allés de l'avant. We think, I see a healing. J'ai vu une guérison. That is going to take place. I think it's on the tarmac, right? J'ai vu que ça va avoir lieu ici. Is it on the pavement? It looks like tarmac, like the road tarmac. C'est comme sur le tarmac, sur le chemin. The road tarmac. C'est le chemin du tarmac. I see a healing. J'ai vu une guérison. That will take place in the middle of a road or something. Qui aura lieu au milieu du chemin. I don't know whether it's a pavement, it's parking over there, but it's tarmac. C'est sur le parking. Oh yes. Oui. This is not a healing service. Ce n'est pas un service de guérison. But let the Lord have His way. Mais laisse le Seigneur ait son chemin. So I don't know who it is. Je ne sais pas qui est cette personne. I see a healing that will take place. J'ai vu une guérison qui aura lieu. It is stomach. C'est sur le parquet. It's stomach. It's not cement here. It is stomach. C'est pas le ciment. C'est sur la route. So I don't know whether it's I don't know whether it's the name Uswako. I don't know whether it's it's a parking lot. Je sais pas si c'est dans un parking. Or it's on the tarmac road. Ou bien sur la route même. But right in the middle there. Mais là au milieu, I see a beautiful healing. Je vois une belle guérison. And when I see this, et quand je vis cela, when the Lord shows me this, quand le Seigneur m'a montré cela, I normally know that revival is coming. He wants to bring revival. Je comprends que le réveil arrive. Il vient amener le réveil. Alléluia. Alléluia. So, alors. The Lord is giving every nation the opportunity. Le Seigneur donne à chaque nation l'opportunité. I normally get very angry. Normalement, je deviens très fâché. When Kenya tries to own this revival. Quand le Kenya essaie de garder pour eux ce réveil. This revival is for the nations. Ce réveil est pour les nations. All nations. Toutes les nations. Nobody can own it, say ours. Personne ne peut garder ça en disant que c'est pour nous. So I see a healing.
Alors je vis une guérison. I don't know who it is. Je sais pas qui est cette personne. All I know is that the night before, j'ai vu que c'est la nuit avant, he showed me somebody in a wheelchair. Il m'a montré quelqu'un sur le fauteuil roulant. The night before, la nuit avant. But then, yesterday, he shows me, il m'a montré this healing that will take place in the middle of tarmac. Au milieu du tarmac. May the Lord have His way. Hallelujah. I'm just a messenger. Je suis un messager. And I'm under pressure here. Je suis sous pression maintenant. To give you everything. De vous donner toutes choses. In these few hours we have today. Dans ces peu de temps que nous avons ici aujourd'hui. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. He's saying, il dit, that don't come closer when the cloud comes. N'approche plus quand la nuit vient. But I want to take you, mais je vais vous amener, to two other scriptures before I explain to you. Dans deux autres écritures avant que je vous explique. To Exodus, à l'Exode, chapter 19, chapitre 19, verse 12 and verse 19, verset 12 et verset 19. Then I'll explain. Et puis je vais expliquer. Michael, it's okay. I think we have just to figure it out one day, right? The Lord will help you, my son. Because it's this fire. It's big. Puissance, c'est le feu. I always want it perfect, but probably we are not in heaven. Je veux que ce soit toujours parfait, mais nous ne sommes pas au ciel. Alléluia. 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 Yeah, thank you. But it's very powerful because the message can be delivered. Merci, parce que le message peut être libéré maintenant. So, Exodus 19, I said 12, right? Yes. Exode 19, verset 12. Let me get there. Laissez-moi arriver là-bas. 12. And he says, it is. Can I start verse 10? Yes. 10. Verset 10, maintenant, on va commencer au verset 10. Are you able to translate me directement? Yes, please, ma'am. That's better, that's very powerful. Yes, ma'am. So look at what he says. He says, it is. And the Lord said to Moses, et le Seigneur dit à Moïse, go to the people. Va vers le peuple. Consecrate them today. Et consacre-les aujourd'hui. And tomorrow. Et demain. Have them wash their clothes. Qu'ils lavent leurs vêtements. And be ready for the third day. Et qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Because on that day, car le troisième jour, the Lord will come down. Le Seigneur descendra on Mount Sinai. Au Mont Sinaï. In the sight of all the people. Aux yeux de tout le peuple. Verse 12, remember, is our target. Verset 12, c'est notre verset. Is what we were targeting. C'est ça qui est notre cible. Verset 12, c'est la cible. Verse 12. Verset 12. Put limits for the people. Tu mettras une limite pour le peuple. Around the mountain. Autour de la montagne. And tell them. Et dis-leur. Be careful that you do not go. I'm so happy now. Je suis maintenant content.
Because the Lord is beginning to speak to the church in Europe. Le Seigneur commence maintenant à parler à l'église en Europe. I feel some strange feeling right now. J'ai un sentiment bizarre maintenant. That the Lord is going to make a way here. Que le Seigneur va faire un chemin ici. Because he's saying. Parce qu'il dit. He's saying. Il dit. That now. Maintenant. Because God the Father himself. Que Dieu le Père lui-même. Has come. Est venu. On the mountain. Sur la montagne. Go and tell the people, do not come any closer. Dis au peuple de ne pas approcher plus près de la montagne. Hey, how can we worship this God? Comment pouvons-nous adorer ce Dieu? Those of you watching in the stream, ceux qui suivent en direct, in many countries, dans plusieurs pays, how can you worship this God? Comment pouvez-vous adorer ce Dieu? When he's saying, quand il est en train de dire, I have come, je suis venu, but tell them, mais dis-leur, not to come close, ne pas s'approcher. Wow. He told Moses, il a dit à Moïse, don't try, n'essayez pas, don't come close, ne vous approchez pas. I have come, je suis venu, and now, et maintenant, the Israelites, les Israélites. He's saying, he dit, don't come, ne vous approchez pas. He's saying, he dit, don't even touch, ne touchez même pas. The mountain, la montagne. He's saying, he dit, don't even touch the foot, ne touchez même pas au pied de la montagne. And he says, et puis il dit, anybody that touch the foot, tout celui qui touchera le pied de la montagne, Jehovah says, Jehovah a dit, must surely die. Il doit certainement mourir. Jehovah, to say, pour dire, must surely die. Il doit sûrement mourir. Means somebody will die. Ça veut dire que quelqu'un mourra. How can you worship this God? Comment pouvez-vous adorer ce Dieu? Like this, comme ceci. Because even now he has come. Parce que même maintenant, il est descendu. So we have to confront these issues. Nous devons confronter ces problèmes. We have to confront these challenges. Nous devons confronter ces défis. And when you go to verse 19, et quand nous allons au verset 19, look at this now. Écoutez ceci maintenant. Verse 19, the same. Exodus 19. Exode 19, verset 19. Verse 19. He says. Il dit au verset 19. No, verse 21. No, verse 21. Le verset 21. He says, let me find it first. Yes, verse 21. Verset 21. And the Lord said to him, l'Éternel lui dit, go down and warn the people. Descends, fais au peuple cette défense. So they do not force their way through to see the Lord. Qui ne se précipite pas sur le chemin devant le Seigneur. And many perish. Et beaucoup ont péri. Hey! Hey! How do you worship this God? Comment adorer ce Dieu? How do you worship this God? Comment vous adorez ce Dieu là? He has come. Il est venu. But he's saying, mais il dit, go tell the people not to come. Dis au peuple de ne pas venir. Or to make their way. Ou de faire leur chemin. The other version of the Bible says, l'autre version de la Bible dit, to go and gaze, gazing. Le regarder et longer, longer de loin. To go, aller, and gaze at the Lord. Et longer vers le Seigneur. He says, and then they will perish. Il dit, alors ils vont périr. I tremble. J'ai tremblé. When I read this scripture. Quand j'ai lu cette écriture. Because I knew, parce que je suis, I must engage the church. Je dois engager l'église. On this visitation. Dans cette visitation. Can I read? I'm going to explain. Je vais expliquer. I'm just building the case. Je suis en train de bâtir le cas. Okay? I'm going to explain. Je vais expliquer. But allow me just read more scriptures to enrich in you, to make you richer and stronger. On va juste lire quelques écritures pour vous enrichir, vous faire riche et fort. Alléluia. Alléluia. One more. Un de plus.
Do you remember? Let me first share before I read. Do you remember Jacob? Rappelez-vous de Jacob? Jacob is on a journey. Il est dans le voyage. And he encountered the same situation. Il a rencontré la même situation. He falls asleep. Il est tombé en sommeil. And put the stone. Il a pris la pierre as a pillow. Comme un oreiller. Then, alors, a ladder. Une échelle. A visitation takes place there. Une visitation a eu lieu là-bas. He ended up in the same situation. Il est rentré dans la même situation. He said, oh, il a dit, oh, I fear this place. Je crains cet endroit. Je tremble in Spanish. Il a tremblé. Je tiene miedo in Spanish. Il a tremblé. Is that true? Hallelujah. Hallelujah. Because he's saying, parce qu'il dit, Jacob said, Jacob dit, God is here. Dieu est ici. And he began to move away. Il commence à se retirer. And start consecrating the stone. Il commence à consacrer la pierre. And he said, et puis il dit, Bethel, casa de Dios, la maison de Dieu, the home of God, la main de Dieu. He looked at the place differently. He gave another name. Il a regardé là-bas, il a donné un autre nom. Amen. Hey. Just hold on. Attendez un peu. I'm going to explain. Je vais expliquer. Just read another scripture. Lisons une autre écriture. I have so much to give tonight, I don't know whether I'll manage. J'ai beaucoup à donner, je ne sais pas si je vais finir. Because I want to give you everything before I leave. Je vais vous donner toutes choses avant de quitter. Hallelujah. 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 Amen. Thank Amen. You very much. Now, maintenant, 1 Kings chapter 8, verse 11. 1 Rois chapitre 8, verset 11. 1 Kings chapter 8, verse 11. We can start from verse 10 to 11. 1 Rois chapitre 8, verse, on peut commencer au verset 9. I love you, Europe. Je vous aime, l'Europe. That's why you see. C'est pourquoi vous voyez. I'm crying for revival here. Je pleure pour le réveil ici. And the Lord will have his way here. Et le Seigneur aura son chemin ici. I tell you. Je vous le dis. 1 Kings chapter 8, 11, 10, 12, 10, 10, 11, 10, 11. 1 Roi chapitre 8, verset 10 à 11. Can I now read? Amen. Est-ce que vous pouvez lire maintenant? He says, il dit, when the priests withdrew from the holy place, au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, the cloud filled the temple of the Lord. La nuée remplit la maison de l'Éternel. And the priests could not perform their services. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services. Because the cloud for the glory of the Lord filled the house. À cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Another moment. Un autre moment. Another moment. Un autre moment. When the cloud came down, quand la nuée est descendue, and the priests, et les prêtres, had to withdraw, devaient sortir de là, to get out of there, de sortir de cet endroit-là, get out of there, ils devaient se retirer, sortir de là. The cloud came. La nuée est venue. Because he came. Parce qu'il est venu. They had to get out. Ils devaient sortir. Move out of there. Non, ils devaient quitter là. Hey! Hey! How can you worship like this? Comment pouvez-vous adorer comme ça là? When he comes, quand il vient, you must get out, move away. Tu dois te retirer et sortir. Wow! Wow! Jehovah Elohim. Jehovah Elohim. Jehovah El Olam. Jehovah El Olam. Jehovah Elion. Jehovah Elion. Jehovah Hoseinu. Jehovah Hoseinu. Jehovah Metadiste. Jehovah Metadiste. Jehovah Shalom.
Because parce que he saw that the people wanted to go. Il a vu que le peuple voulait y aller. By curiosity. Par curiosité. To go and see God. Pour d'aller et de voir Dieu. He told Moses, run down. Il a dit à Moïse, cours là-bas. And restrain the good limits. Et fais une limite des femmes d'approcher. Lest they come and all perish. Sinon ils vont venir tous et tous mourir. I tremble. J'ai tremblé. This one was tremendous. Ceci était extraordinaire. This one, he spoke with his servant. Ceci, il a parlé à son serviteur. Even the exact hour of the visit, the moment, leave alone our moment of the visitation. Même jusqu'au moment même de la visitation. Come, my daughter, come to me. Come, my daughter. Viens, ma fille, viens à moi. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you very much. Merci. The Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. This one. Celle-ci. There was. Oh! Am I allowed to say these things in public? Est-ce que c'est obligé de dire? Who wants to know? Qui veut savoir? Me, I want to know. Moi, je veux savoir. I want to know. Je dois connaître. Thank you, my son. Merci, mon fils. Now. Maintenant. Because. Parce que. There is a big healing service going on. Il y a un grand service de guérison qui est en train de prendre place. And really. Et réellement. It's my desire to see the Lord relieve his people, help his people. C'est mon désir de voir le Seigneur aider son peuple, libérer son peuple. The cripples, the blind, the deaf. Les so there is a healing service, 2 days healing service. Il y avait 2 jours de guérison, beaucoup de guérison. And et alors, I told the Lord, j'ai dit au Seigneur, there was a conversation that took place in a dream. Il y a une conversation qui a eu lieu dans le rêve. I'm now sharing deeper what I share with Kenya, a little bit deeper now. Je vais partager un peu plus en profondeur que ce que je partage au Kenya. And I told the Lord. Et je dis au Seigneur. If you come now, si tu viens maintenant, when I just enter the meeting, quand je vais juste entrer dans la réunion, that is the highest visitation on the earth. Ça sera la plus élevée des visitations sur la terre. So, alors. Probably the healing service has to come to an end. Alors, le service de guérison risque d'être à sa fin. So everybody can focus on your presence, your visitation. Alors tout le monde va focaliser sur ta présence, ta visitation. Amen. In other words, people who are healed now will go and celebrate at home. Ça veut dire que maintenant les gens qui sont guéris iront célébrer à la maison. Because parce que you cannot ignore this. Tu ne peux pas ignorer ça. This is the highest. Ça c'est la plus élevée. Amen. And I said, et je dis, Lord, Seigneur, when do you want to come? À quel moment veux-tu venir? Let me share a little deeper now so you understand the message here, right? Laissez-moi vous expliquer un peu plus pour comprendre le message ici. So, alors, when do you want to come? Quand veux-tu venir, Seigneur? Day one. Premier jour. I said, Lord, je dis Seigneur, if you come day one, si tu viens au premier jour, then day two must be celebration of the visitation of God alone. Alors il y aura seulement la célébration de la visitation de l'Éternel seulement. People will be healed, but now they will celebrate home. We must honor this now. Les gens seront guéris. Ils vont célébrer la maison, mais nous on va honorer ceci. Amen. Follow me on this. Suivez-moi ceci. And then there is a conversation. Say, okay. Et avec conversation, puis il a dit, okay. Let it be day two. Que ce soit au deuxième jour. I'm speaking very deep right now. Je parle profondément maintenant. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes. Oh oui. Day two, Lord. Le deuxième jour, Seigneur. When do you want to come? Quand voulez-vous venir? There is a conversation again. Il y a encore une autre conversation. This is the first time I'm saying it public, right? Ça c'est la première fois que je dis ça en public. I'm saying it to the Council of Bishops. J'ai dit au Conseil des Bishops. Lord, Seigneur, come to
towards the end of the healing service. Viens à la fin du service de guérison. Because then we will have celebrated all the cripples, the blind, and name it. Alors nous allons célébrer tous les aveugles, les paralytiques et tous les non healed. Guéri. Then when you come, that is the highest climax. There is no other. Alors quand tu vas venir, ça sera la marque la plus élevée. Il n'y en aura pas d'autre. But it is so fearful. Mais ça fait tellement peur. It is so fearful. Ça fait tellement peur. When the Lord comes down, quand le Seigneur descend, I want to now announce to the world. Je vais l'annoncer dans le monde. It is so fearful. Ça fait très peur. When Jehovah, quand Jehovah comes down himself, descend lui-même. I tremble. Je tremble. He says. Il dit. Don't come. Ne approchez pas. Tell them not to come close. Dis-les de ne pas approcher près. Wow. Wow. This God. Ce Dieu. When he comes on Mount Sinai. Quand il est venu à la montagne de Sinaï. Tell them not even to touch. Dites-les de ne même pas toucher. When he appears at Horeb to Moses alone. Quand il est apparu à Horeb à Moïse seul. Moses, don't come any closer. Ne t'approche pas près de ceci. In fact, remove those sandals right away. En fait, enlève tes sandales immédiatement. When he comes to the temple of Solomon. Quand il est venu dans le temple de Salomon. The priest ran away. Les prêtres ont fui. How can the church in Europe receive him? Comment est-ce que l'église en Europe peut le recevoir? Now listen to me very carefully from maintenant, this point attentivement. From this point on. À partir de ce point et après. Let me now explain. Je vais maintenant expliquer. Hallelujah. Hallelujah. Turn with me the book of 1 Corinthians chapter 15. Allez avec moi le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Verses 50 to 56. Versets 50 à 56. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 50 to 56. 50 à 56. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verses 50 to 56. Versets 50 à 56. Oh, I tell you. Oh, je vous dis. Are you ready? Êtes-vous prêt? Okay. I am ready. Can you read with me? Yes, please. It is. I declare to you, brothers, je vous le déclare, mes frères, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Wow. Again, amen. Amen. I declare to you, brothers, je vous le déclare, mes frères, that flesh and blood, que la chair et le sang, cannot, peut pas, inherit the glorious kingdom of God. Ne peuvent hériter le royaume glorieux du Seigneur. Then he says, nor does the perishable inherit the imperishable kingdom of God. Que le périssable ne peut pas hériter le royaume de Dieu impérissable. Wow. Wow. Good morning, Europe. Bonjour, l'Europe. Yeah. I am making some special announcement here to the church. Je fais des annonces spéciales ici pour l'église. To explain to you, vous expliquer why he says don't come. Pourquoi il dit n'approchez pas? I have now come here. Maintenant je suis descendu ici. Don't move closer. N'approchez pas près de ça. And he begins to explain by saying, il commence à expliquer en disant, that the reason I tell you to tell them not to come. La raison pour laquelle je t'ai dit de leur dire de ne pas venir, is because c'est parce que the flesh and blood, la chair et le sang,
la chair, en d'autres mots, ce qui est périssable. Inherit, hérité. The imperishable glory of God, kingdom of glory. L'impérissable gloire du royaume de Dieu. I have come finally. Je suis venu finalement. The sleeping is over. Le sommeil est fini. Alléluia. Alléluia. I want you to enter my daughter. Je veux que tu entres ma fille. He say, il dit, that the reason he says don't come. La raison pour laquelle il dit, ne venez pas. Because there are certain rules. Parce qu'il y a certaines règles. There are certain laws. Laws. Il y a certaines lois. That govern the visitation. Qui concerne la visitation. Amen. And central among them. Et centralise au milieu d'eux. Is that I tell you, brothers. C'est pourquoi dit, je vous l'ai dit, frère. That flesh and blood. Que la chair et le sang. I tell you, Europe. Je vous dis l'Europe. The church in Europe. L'église en Europe. Flesh and blood. La chair et le sang. Cannot inherit the kingdom of God. Ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. And he says. Et puis il dit. Neither does the perishable. Même ce qui est périssable. Those things that get spoiled. Ces choses qui se détruisent. Neither. Même pas. Can they inherit the kingdom of God. Ne peuvent pas non plus hériter le royaume de Dieu. And he goes on to say. Il continue à dire. Look at this now. Écoutez ceci maintenant. Listen. Escuchez. Listen. Écoutez. I tell you a mystery. Je vous dis un mystère. Now he's talking about the rapture of the church. Maintenant il parle de l'enlèvement de l'église. Now he's talking about the coming of the Messiah. Maintenant il parle de la venue du Messie. He's talking about the coming of the Messiah. Il parle maintenant de la venue du Messie. He said, listen. Il dit, écoutez, voici. I tell you a mystery. Je vous dis un mystère. We will not all sleep. Nous ne mourrons pas tous. But we will all be changed. Mais nous serons changés. In a flash. En un instant. In the twinkling of an eye. En un clin d'œil. At the last trumpet. À la dernière trompette. For the trumpet will sound. La trompette sonnera. And the dead will be raised imperishable. Les morts ressusciteront incorruptibles. And he says. Et il dit. And we will be changed. Et nous serons changés. And he says. Et il dit. When the perishable. Quand le corps corruptible. Has been converted. Changed. When the perishable. Let me read it properly. He says. When the perishable has been clothed with imperishable. Quand le corps corruptible revêt l'incorruptibilité. And the mortal. Et le corps mortel. That which dies. Ce qui est mort qui va mourir. Has been converted. Va être revêtu. Into immortality. À l'immortalité. And the corruption. Et la corruption. Has been changed. A été changé. To incorruptibility. À l'incorruptibilité. At that point, à ce point-là, then you can come. Tu peux maintenant venir. Alléluia. 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 Who's ready for worship? You are ready for worship. I am ready. Je suis prêt. I am ready to worship the Lord. The Lord is in the house. We are ready. We have understood. Maintenant nous avons compris. Why he says don't come? Pourquoi l'a-t-il ne pas venir? And then, et puis, when we know now, maintenant nous savons the requirements, les réclamations, the requirements, les exigences. Then we can now come. Afin que nous puissions venir. I am ready to come. Je suis prêt de venir. I want to be in the glory. Je veux être dans la gloire. I don't know about you. Ce n'est pas pour vous. The church in Europe. L'église en Europe. I tell you. Je vous dis. The good news has come. La bonne nouvelle est venue. That finally. Que finalement. We have to abandon. Nous devons abandonner. The perishable. Le périssable. The perishable in us. Le périssable en nous. Finally. Finalement. We have to perish. Nous devons détruire. The mortal in us. Ce qui est mortel en nous. Finally. Finalement. We have to crush. Nous devons écraser. The corruption in us. La corruption en nous. Let me say.
I want to worship. Oh yes. Oh yes. He's telling Europe. Indiana, that there must be a revival. There is going to be a worship. There is going to be a worship in the church. That's why he comes. Can you sit down a moment? I told you. I have so much pressure to bring the good news to the church in Europe. To tell the church, worship. Worship. Worship has come. Worship has come. Yeah. Oui. That's why when I came, I want the PA system to be right. Je voulais que le système de son soit correct. Because I am on the runway. Parce que je suis sur la course de courir. I'm about to take off. Je dois décoller. And I want everything to be clear. Je veux que tout ça soit clair. Alléluia. Alléluia. Hey. Worship. L'adoration. He's saying, il dit, that this perishability. This perishable, ce qui est corruptible, périssable. This perishable Christian life in Europe, cette chrétienté de l'Europe qui est périssable. Okay, I'm beginning to talk to you now. Je commence à vous parler maintenant. This perishable, cet périssable Christian lifestyle, le style de vie de chrétien in Europe, en Europe. You say, il dit, cannot worship. Ça, il peut pas adorer. Because the glory has come. Parce que la gloire est venue. You may have worshipped yesterday. Peut-être que tu avais adoré hier. Like that. De cette manière-là. But now. Mais maintenant. The owner of worship. Le propriétaire de l'adoration. The father of worship, le père de l'adoration, has now come. Et maintenant venu. Into the house. Dans la maison. My daughter from Finland. Ma fille de Finlande. The father of worship. Le père de l'adoration. Has now entered. Maintenant est entré. Into the house of worship. Dans la maison de l'adoration. That is too complicated. Ça c'est très compliqué maintenant. Now everything must change. Maintenant chaque chose doit changer. Because he's saying. Parce qu'il dit. This perishable life. Cette vie périssable. That you see Christians in Europe. Que vous voyez les chrétiens d'Europe. Living, vivre cela, every day, chaque jour, just perishable, c'est périssable. What's going on, my son? Oh mon fils, qu'est-ce qui va pas? Why like this? Qu'est-ce qui se passe? No, man of God. Oh, l'homme de Dieu. I'm a work in progress. Je cherche le progrès au travail. He said no. Dis non. There comes a moment. Il y a un moment qui est arrivé. When the visitation has come. Quand la visitation est arrivée. And the lines have to be drawn. Et la ligne a été tracée. And he says, et puis il dit, beyond here, au-delà de la ligne, you cannot come like that. Tu ne peux pas venir comme ça là. I tell you, je vous dis, we will worship. On doit aller. We want to go to the Father. On veut aller vers le Père. I want to go quickly. What the fuck it is, eh? Now the dwelling of God is with man. Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. And he will live with them. Il habitera avec eux. And they will be his people. Et ils seront son peuple. And God himself will be with them. Et Dieu lui-même sera avec eux. And will be their God. Il sera leur Dieu. Alléluia. 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 Did you understand now? Avez-vous compris maintenant? So, alors, I want to say this to you. Je vais dire ceci à vous. Let me say this. Laissez-moi dire ceci. This is the moment. Ceci est le moment for the church in Europe to ask themselves some serious questions. Pour que l'église en Europe se pose elle-même des questions sérieuses. Ever since I received Jesus. Depuis que j'ai reçu Jésus. Has the perishable in me been converted to imperishability? Est-ce que ce qui est périssable à moi été converti à l'impérissable? Those watching from your homes, churches, the millions tuning in Kenya. Tous ceux qui regardent en ligne dans vos maisons, les millions qui sont en direct au Kenya. And I know many, many churches in Kenya are tuning in live. People are sitting in the churches in their millions now. Je sais, listening.
Il y a des millions au Kenya dans les églises, dans les maisons qui sont en train de suivre. And all over the world. Et partout au monde entier. This question appertains to you too. Cette question vous est adressée à vous aussi. He said, il dit that this is the hour to ask difficult questions. Ça c'est l'heure de poser des questions difficiles. That ever since you repented and became born again. Depuis que tu t'es repenti et tu es devenu né de nouveau. Has the gospel achieved its purpose in your life? Est-ce que l'évangile a achevé son objectif dans votre vie? Number two. Numéro deux. Ever since you became a Christian, depuis, a follower of Christ. Depuis que tu es devenu un chrétien, un croyant de Jésus-Christ. A believer. Un croyant. Born again. Né de nouveau. And saved. Et sauvé. Has the gospel, est-ce que l'évangile, destroyed that which is mortal in you? Est-ce que l'évangile a détruit ce qui est mortel en vous? And converted it into immortality. Elle est converti à ce qui est l'immortalité. Hey! Hey! Ever since you became born again. Depuis que tu es né de nouveau. Has the gospel entered you? Est-ce que l'évangile est entré en vous? And worked. Et travaille. And travaille. And work hard. Et travaille-tu. And meet corruption in you. Et rencontre la corruption en vous. Has the gospel converted? Est-ce que l'évangile a converti? The corruption in you. La corruption en vous. And perished it. Elle est détruite. Le mourir. Kill it. Le tuer et raise forth et lever en vous incorruptibility in you, l'incorruptibilité en vous. Those four questions. C'est trois questions, mes amis. He's saying this is the hour that Europe must ask them. Ça c'est l'heure où l'Europe doit poser ces trois questions. Because he's saying, parce qu'il dit, otherwise, sinon, the salvation you will have in Europe, le salut que vous aurez ici en Europe. Will be perishable. Ça sera périssable. Will be mortal. Ça sera mortel. Will be corruption. Ça sera corruption. He's saying. Il dit that he has sent me here. Il m'a envoyé ici for purification. Pour la purification. Why? Pourquoi? Because the hour is now. Parce que l'heure c'est maintenant. The Lord is in the house. Le Seigneur est dans la maison. La purification. And he's saying, et puis il dit, that the reason he kept restraining them at the foot of the mountain. La raison pour laquelle il est en train de les empêcher au pied de la montagne. The reason he kept restraining Moses. La raison pour laquelle il est en train de défendre à Moïse. Far away. Non, aller loin. At Horeb. À Horeb. The reason the priests had to flee. From the house. La raison pour laquelle les prêtres doivent sortir et fuir de la maison. When he came, quand il est venu, is because c'est parce que it was not yet time. Ce n'était pas encore le temps to advance. Pour avancer. It's because c'est parce que Christ the mediator, Christ le médiateur, had to come, doit venir, and bring this gospel, et amener l'évangile. And prepare us, et nous préparer, that when we enter the presence of the Father, afin que quand nous entrons dans la présence du Père, bénédiction, alors, bénédiction, glory, la délivrance, la gloire, blessing, la bénédiction, nothing else, il n'y a rien d'autre, not to be perished, non pour périr encore, not to die, non pour mourir, but now, maintenant. To fellowship with the Father. De avoir la communion avec le Père. Can I continue to point number two? Est-ce que peut aller au point numéro deux? Hallelujah. Hallelujah. I have to come back to Amsterdam. Je dois revenir à Amsterdam. I have so much to share. J'ai beaucoup à partager. On how to prepare the church. Comment préparer l'église? I have so much, my daughter. J'ai beaucoup, ma fille. I need to prepare. Je dois préparer. It's a big responsibility. C'est une grande responsabilité. I cried for Europe for a long time. J'ai pleuré pour l'Europe pendant longtemps.
I said, the day the Lord will take me there, je dis, le jour que le Seigneur va m'amener là-bas, I will tell them everything. Je vais leur dire toutes choses. Hallelujah. Hallelujah. I will tell them the truth. Je leur dis la vérité. Can I move now? Est-ce que je peux avancer maintenant? So what is the importance of taking off your sandals? Alors, quelle est l'importance d'enlever vos sandales? Also, what are the sandals? Alors, qu'est-ce c'est quoi les sandales? Hallelujah. Hallelujah. Listen now. Écoutez maintenant. When the Lord said, quand le Seigneur dit, take off your sandals, enlevez vos souliers, vos sandales, as you come close to my presence, quand vous vous approchez de ma présence, he was essentially saying one thing. Il disait essentiellement une chose. That it is a high standard. C'est un standard très élevé. God has a high standard. Dieu a un standard très haut. For us, pour nous, to appear before him, d'apparaître devant lui. Let me repeat this. Laisse-moi répéter cela. He was saying, il disait, you can't just come like that. Tu peux pas venir juste comme ça. You need to be prepared. Tu dois être préparé. Do you remember the sacerdotes, the priests? Vous rappelez-vous les prêtres? When they had to go, quand ils devraient entrer, in the book of Exodus 28:1-4, dans le livre d'Exode 28, verset 1 à 4, he says, il dit, tell them to prepare for him. Dites-leur de se préparer pour lui. Sacerdote. Les sacerdotes. The priest. Les prêtres. A sacred garment. Un vêtement sacré. And et puis, they put small bells. Ils ont mis des petites clochettes. There was alternating bell, pomegranate bell. There's a way the design is. Yeah, I imagine the design is a clochette là. Bell and the pomegranate fruit bell like that. Les clochettes dans les robes au pied. Meaning, disant, when you appear before the Lord, quand tu apparais devant le Seigneur, that act, cet acte là, is a high standard. C'est un standard très élevé. God has a high standard for us to appear before him. Dieu a un très haut standard pour que nous puissions apparaître devant lui. Why? Pourquoi? Because where he comes, parce que quand où il vient, he sanctifies, il sanctifie, and consecrates, et consacre, and makes a decree. Il fait un décret, un décret. That behold, que voici, this is now holy ground. Ceci est maintenant une terre sainte. Because that is his habitation now. Parce que ça, c'est maintenant son habitation. Can you follow me? Pouvez-vous me suivre? Removing sandals, enlever les sandales, also represents in the church. In the church, représente aussi à l'église. In the church in Europe, that l'église en Europe represents our humiliation, notre humiliation over our sinfulness, sur notre nature pécheresse. We say, Lord, we are humiliated over our sins, so we cannot come like this. Seigneur, nous sommes humiliés par nos péchés, nous ne pouvons pas venir comme ça. So the Lord is saying, alors le Seigneur t'a dit, he wants to see you humiliated over your sin. Il veut vous voir être humilié par rapport à vos péchés. As you come before him, quand vous venez dans sa présence, there must be a restoration of that humiliation in your heart. Il doit y avoir cette restauration de cette humiliation dans votre cœur. Because in Europe sometimes they glorify sin. Parce que des fois ici en Europe on glorifie les péchés. So he's saying he wants us to be sad. Parce qu'il dit que vous voulez que nous soyons tristes. Over sin. Sur le péché. Can you move on now? Est-ce qu'on peut avancer maintenant? He says, il dit, the removal of sandals, l'enlèvement des souliers, represents an act of reverence. Ça représente un acte de révérence. We have reverence to him now. Quand nous avons maintenant la révérence à lui, we cannot walk here again pocketing and whistling and saying anything we want. Nous pouvons maintenant plus venir ici la main à la poche, sifflant, faisant n'importe que nous voulons. Pocketing. The pastors in Europe like pocketing. Les pasteurs d'Europe aiment me mettre la main à la poche. You know when you go to university and you study the psychology of body language. Quand vous allez à l'université, vous étudiez la psychologie du langage du corps. In fact, they say, en fait, ils disent, there is a certain
way if you stand, it shows your confidence. En mode, la manière que tu te tiens, ça montre ta confiance. Oh, greeting people. La manière de saluer les gens. If you greet people and your hand is weak. Et quand tu salues quelqu'un, ta main est faible. They say, that's why business people say, I have to greet him first. Parce que les autres affaires disent, je dois d'abord les saluer. And feel him. Et le sentir. If he's trembling. Et s'il tremble. Then this deal is a bad deal. Alors cette affaire est une mauvaise affaire. So there is my daughter. You always come. Il y a ma fille qui est là-bas. So there is a language. Il y a un langage. Body language. Langage du corps. And he say, il dit, pocketing. Mettre la main dans la poche. In the university. À l'université. They teach it. Ils enseignent cela. It means, ça veut dire, you are comfortable in the presence of this person. Tu es confortable dans la présence de cette personne. In fact, you are same. En fait, vous êtes égaux. You are the same level. Vous avez le même niveau. So you are talking to each other. Yeah. Alors vous parlez l'un à l'autre, la main dans la poche. Meaning you are the same with God. Alors vous êtes au même niveau avec Dieu. Did you understand? Est-ce que vous comprenez? So he say. Alors il dit, there now must be the restoration of reverence in the worship in the church in Europe. Il doit maintenant avoir la restauration de la révérence dans l'adoration dans l'église en Europe. Reverence must be restored in the lives of the European Christians. La révérence doit être restaurée dans la vie des chrétiens de l'Europe. Amen. That's why I have come. C'est pourquoi je suis venu. He said, il dit, removing sandals represents fear of God. I fear God. L'enlèvement des sandales veut dire je crains Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Mort de Dieu. I fear God. Je crains Dieu. Removing sandals. Enlever les sandales represents. Ça représente. Look at this now. Regardez ce qui Leviticus 10:10. Leviticus 10:10. Leviticus chapter 10 verse 10. Leviticus 10 verset 10. He says. Il dit. Let us read it, then I give you that point. Lisons comme ça, je vais vous donner l'autre point. I have so much to give you, Europe. J'ai beaucoup à vous donner, l'Europe. Hallelujah. Hallelujah. And yesterday we got a lot of feedback from all over Europe, right? Yes, my Lord. Hier, nous avons eu beaucoup de feedback de l'Europe. Everybody watching Russia, where everywhere. Tout le monde sur Suisse, the whole of Europe is watching and they're writing back. Tout l'Europe est en train de suivre et ils sont en train d'écrire. They're saying we are going to begin a new worship. It is in Europe. On va commencer une nouvelle adoration en Europe. That is very powerful. Ça, c'est très puissant. Leviticus 10:10, he says. Leviticus 10:10, he says. You must distinguish between holy and the common, between the unclean and the clean. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. My daughters who are sitting down, their seats here. Ma fille qui est assise par terre, il y a des chaises ici. Thank you very much. Those who have no seats, their seats in front, right? Ceux qui n'ont pas de chaises, il y a des chaises ici devant. Thank you. My son with the glasses. Now, mon fils avec les lunettes. You have seats here. Vous avez des chaises ici. My son from Ottawa, sit down and take the gospel here. Mon fils d'Ottawa, assieds-toi et prends l'évangile. Thank you. Merci. Yes, take the gospel. Prenez l'évangile. Because time is running out. Parce que le temps court. We need to enter. Nous devons entrer. He said. Il dit. In Leviticus 10 verse 10. Dans Leviticus 10, 10. That the removal of sandals before the presence of the Lord. Que enlever les sandales devant la présence de Dieu means, ça veut dire, we have now distinguished between the holy place. Nous avons distingué maintenant ce qui est la sainte place of worship, d'adoration, and the common place out there. Et le lieu profane là dehors. We have now distinguished between the house of the Lord, nous avons la distinction maintenant entre la maison du Seigneur, which has now become holy ground, qui est maintenant devenu la terre sainte, because the presence of the Lord is now in the house, parce que maintenant la présence de Dieu est dans la maison. We distinguish that from any other common place. Nous distinguons cela de autre place que ce soit qui est profane. That is the true meaning of the restoration of the house of the Lord. Ça c'est le sens réel de la restauration de la maison de Dieu. Look at this now. Regardez ceci maintenant. It says it also means. Ça veut dire aussi distinguishing between
holy and unholy. Distinguer ce qui est saint de ce qui n'est pas saint. Clean and unclean. Ce qui est pur de ce qui est impur. If Christian salvation si le salut des chrétiens has made your life clean, a rendu ta vie propre, pure, then he say, alors il dit, now you must distinguish. Maintenant tu dois être distingué between you and who is clean, toi qui es pur, washed by the blood, lavé par le sang, in the world, et le monde, which is unclean, qui est impur. So, alors, in Hebrew, in Hebrew, en hébreu, the word holy, le mot saint, and consecrated, et le mot consacré, they are like this. Ils sont comment? They share the same root word. Ils ont la même racine de mot. That says, qui dit, set apart, mis à part, meaning separated, séparé. So the Lord is using this to call forth a separated Christian life in Europe. Le Seigneur utilise ceci pour appeler une vie séparée des chrétiens ici en Europe. The Lord will help you. Le Seigneur va vous aider. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Because when you separated my son, professor, parce que quand vous avez séparé mon fils, le professeur, when I first told him to separate, quand premièrement je lui ai dit de séparer, he trembled. Il a tremblé. And disappeared. Il a disparu. Actually, I looked for him, I can't find him. En fait, je le cherchais, je ne le trouvais pas. He ran to Berlin in Germany. Il a fui au Berlin en Allemagne. I looked the whole country, I can't see him. Je cherchais dans tous les pays, je ne le voyais pas. Because I told him, parce que je lui ai dit, if you want to walk with me, si tu veux marcher avec moi, and serve this holy God, et servir ce Dieu saint, you must separate, separate. Tu dois te séparer, séparer. When he heard that, quand il a entendu ça, he trembled and then he disappeared. Il a tremblé et puis il a disparu. Because parce the first question is, parce que l'autre question est, now I will not have to meet my friends again. Maintenant je ne vais plus rencontrer mes amis. You are very connected to your friends. Vous êtes très connecté à vos amis. In Europe, en Europe. And in Europe, et en Europe, the Christians fear solitude. Les chrétiens ont peur de la solitude. That's why you have psychologists counseling in the church. Parce que vous avez des psychiatres qui donnent des traitements dans l'église. Because people fear loneliness. Parce que les gens ont peur d'être seuls. But mais when he came back from Berlin, quand il est revenu de Berlin, man of God, l'homme de Dieu, I feel I am now ready. Maintenant je sens que je suis prêt. And then when he separated, alors quand il s'est séparé, the first fear was the pastor's fellowship, alianza pastoral. La première peur c'était alianza pastores, l'alliance des pasteurs. That fellowship they have, cette communion de pasteurs qu'il avait. How will you survive alone in this city? Comment tu vas survivre seul dans le pays, dans la ville? I told him, don't worry. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. We have the Lord. Nous avons le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. And so, alors,